Thank you.
c'est là que je mets ta chaîne de YouTube aussi. Et je ne sais pas si c'est l'internet qui dérange. Il y a l'internet qui. Je ne sais pas. Quelqu'un. Quelqu'un a touché l'internet. Hast du es satt, alleine von zu Hause aus zu traden und mit wenig Kapital zu kämpfen, anstatt für eine große Firma zu arbeiten? Aber du denkst, es ist besser, selbstständig zu sein, als jeden Tag im Stau zu stehen und für eine Firma zu schuften, die am Ende des Monats alle Gewinne behält, richtig? Kennst du das Gefühl, wenn sich Trading von zu Hause anfühlt, als wärst du isoliert auf einer einsamen Insel? Ohne Kontakt zu professionellen Händlern, von denen du lernen kannst, mit denen du Ideen teilen kannst, mit denen du dich über Marktdaten und andere wichtige Dinge austauschen kannst. Keine Sorge, dein Rettungsschiff kommt. Heldenthal & Co. wurde von einer Gruppe Tradern gegründet, um privaten Händlern einen besseren Zugang zum Markt zu verschaffen und sie mit dem nötigen Kapital auszustatten, um ihre Handelsstrategien ideal zu verwirklichen. So, wie funktioniert das genau? Sobald du die Schritte gegangen bist, um ein Händler bei Heldenthal & Co. zu sein, bekommst du Zugang zu einer Trading-Firma, die dir den Vorteil gibt, dich mit erfahrenen Händlern auszutauschen, in der du online lernst und gecoacht wirst, aber immer noch genug Freiheit besitzt, um deinen persönlichen...
que mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous avoir nombreux aujourd'hui. Comme l'était annoncé hier, nous devons recevoir aujourd'hui Marie-Antoinette, c'est la fondatrice de MOD. C'est Women Universal Development. Et je ne serai pas seul sur ce plateau aujourd'hui. Je serai accompagné de mon confrère, Chris, aussi, qui va me rejoindre. Donc d'ici, on peut déjà annoncer et accueillir notre chère invitée, Marie-Antoinette de Women Universal Development. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ok. Women Universal Development. C'est quoi le concept? Est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que c'est Women Universal Development? Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Universal Human Development est une association qui contribue au développement camerounais en commençant par le tourisme et la nature. Nous avons constaté que dans notre pays, il y avait beaucoup de manquements, beaucoup de choses qui étaient d'actualité avant, dans le passé, et qui aujourd'hui sont presque effacées. Et quand nous regardons dans d'autres pays voisins, eux, ils vivent de ce que nous avons abandonné et tourné. C'est dans ce but que nous avons ouvert Universal Human Development. Pour essayer de reprendre les vieilles choses abandonnées et les réactualiser. Ok, pourtant, on se souvient bien, je me rappelle, c'était en 1997, le président de la République avait mis en cinquième priorité, je suis bon et moi, le programme touristique dans son plan électoral. Donc, si je vous comprends très bien la lettre, je me rends compte que de la part des pouvoirs publics, des administrateurs, rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Oui et non. Je ne vais pas me mettre à accuser qui que ce soit. Mais ce que je sais, c'est que j'ai travaillé, nous avons eu une agence de voyage qui s'est appelée Transcamerounaise. À cette époque, la Transcamerounaise a été une agence de voyage très innovante parce qu'on prenait nos touristes de la Suisse pour le Cameroun. On ne cherchait pas. Et le tourisme marchait parfaitement dans le nord et dans l'ouest du Cameroun. Mais aujourd'hui, depuis que les coupeurs de route sont entrés dans le mouvement, le tourisme a commencé à prendre d'autres tournures. Après les coupeurs de route, on a eu des chasseurs qui venaient de l'Europe pour venir tuer les gibiers. Au lieu de les protéger, eux, ils venaient tuer pour prendre les trophées. Et le tourisme a commencé à perdre sa valeur. Et après ça, on a été confronté encore avec Boko Haram. Donc, chose qui veut dire que des coupeurs de route à Boko Haram et tout ce qui s'est passé au milieu, le tourisme a été mort et enterré. Bon, on peut donc noter l'insécurité gravissante qui a mis à plat le programme touristique au Cameroun. Oui. D'accord. Maintenant, madame, si vous me permettez, je vais accueillir avec moi mon confrère, Chris, qui a aussi une chronique déjà pour vous et quelques petites questions. Merci. En attendant aussi que les invités, que nos abonnés envoient aussi leur part de questions. Merci beaucoup. Bonsoir Chris. Bonsoir Madame Roland. Bonsoir Chris. Bonsoir, excusez un peu plus le retard. En ce qui concerne les questions techniques, j'étais celui qui était censé vous accueillir sur ce plateau, mais bon, je m'excuse.
j'ai attendu pendant l'introduction de votre personnalité que vous êtes membre fondatrice de l'organisation Universal Human Development basée au Cameroun, c'est bien ça? Oui. Et en général, madame Olof, lorsqu'on entend parler de développement humain, on a plus tendance à parler de liberté des êtres humains, la liberté de réaliser le plein potentiel de ces qualités. Qu'en est-il de la mission de votre organisation? Oui, la mission de mon organisation est de déterrer les cadavres touristiques et de les transformer en écotourisme pour essayer de montrer une autre forme, parce que le Cameroun, pour commencer, est un pays très riche en miniatures. Et c'est un pays très beau et très émouvant. Et je pense que dans toutes les 10 provinces du Cameroun, nous avons toujours un potentiel qui peut nous amener à élever notre pays au plus haut où il se trouve en ce moment, côté touristique. Parce que vu tous les villages, dans chaque province on a des villages et dans chaque village il y a une langue qui diffère de l'autre. Ce qui fait que le Cameroun, de ce côté-là, est un pays multiculturel. Et je pense que le Cameroun aussi peut vivre de la culture, du tourisme, comme le font d'autres pays voisins. Mais depuis des années, le tourisme a été enterré, mort enterré. Il existe un nom, le ministère des tourismes ou du tourisme. Ça existe, mais il n'a plus de fonction. J'ai été plusieurs fois. Ils sont tout le temps en train d'écrire. Je ne sais pas trop ce qu'ils écrivent. Où vont ces archives, ce qu'ils écrivent, on ne sait pas trop. Mais les cadavres sont, on ne les voit plus. Ils ne vivent plus. Mais comme je viens de la grande forêt équatoriale, moi je suis en train de vouloir et montrer aux Camerounais et au monde entier une autre phase du tourisme que nous n'avons pas encore chez nous, qui est l'écotourisme. Un tourisme écologique. Empêcher de couper les arbres, de détruire les forêts. Essayer de vivre cette nature qui a bercé notre enfance. Cette nature qui nous a donné de l'énergie, de la force. Essayer de vivre, aller un peu en France, les Français copient déjà ce qui vient de l'Angleterre, de l'Écosse, ce qui vient des pays scandinaves. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent des cabanes au haut des arbres. Pour y passer seulement une nuit, il faut payer 500 €. Hein? Pourquoi? Parce qu'on a besoin de cette nature. On a besoin de vivre d'une façon naturelle. On a besoin de ça. L'Européen connaît la valeur de l'Afrique. Il connaît les valeurs que nous avons en Afrique. Et il veut avoir l'Afrique sans nous, parce qu'il sait que nous sommes des destructeurs. Ils veulent avoir cette Afrique sans nous, mais nous on dit non. Nous aussi, nous pouvons faire comme eux. C'est pour ça que Universal Human est en train de se rebeller pour dire, ces cadavres morts, nous on va les déterrer. Et nous allons les ressusciter, nous voulons ressusciter le tourisme. Justement, bien évidemment, Madame Olof. Oui. En parlant de ressusciter le tourisme, j'ai comme l'impression que ce tourisme est complètement mort. Mais vous avez dit tantôt qu'il y a un ministère du tourisme au Cameroun, bien évidemment. Et quel est le rapport quel rapport peut-on lier entre votre organisation et l'impact ou alors l'ambition que vous avez en ce qui concerne l'écotourisme au niveau du développement local? Au niveau du développement local, ouais. Local, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau local, le tourisme peut jouer un rôle. Mais comme vous le savez aussi, comme moi, que dans notre pays, chaque coq chante dans sa cour. Et un coq ne peut pas chanter dans la cour de l'autre.
parce que l'autre a plus de zèle que l'autre. Et ça fait que ça devient un peu... Ça devient un peu complexe. Parce que nous avons besoin de l'environnement dans notre projet. Nous avons besoin du tourisme dans notre projet. Nous avons besoin du ministère des forêts dans notre projet. Parce que ce sont eux qui délivrent des licences de coupe de bois sans reboisement. Et vous savez que l'arbre qui a poussé seul depuis des décennies recouvre un grand potentiel pour les vies humaines et qui recouvre aussi de l'énergie humaine. Alors, si déjà ces arbres sont coupés, non reboisés, est-ce que vous pensez que celui qui coupe, qui sait très bien qu'il doit reboiser, est-ce qu'il nous fait du bien ou alors il nous fait du mal? Justement, je pense que les dirigeants du monde entier ont compris cela. Raison pour laquelle en 2015, ils se sont engagés dans un nouveau concept de développement humain. Oui. En ce qui concerne la réduction des émissions de gaz carbonique, la multiplication des énergies renouvelables. Et tel est le principe en fait du développement humain à l'horizon 2035. La question dont je vais vous poser est de savoir quelle est l'importance de l'écotourisme que vous aimeriez implémenter au niveau du Cameroun. L'importance de l'écotourisme que j'aimerais bien innover dans mon pays est d'apprendre aux Camerounais à vivre d'une façon naturelle, apprendre aux étudiants à étudier le sol, la nature, les arbres, tout ce que ça comporte, parce que c'est tout un grand paquet. Parce que ici en Allemagne, je travaille aussi avec des universités et je ferai une descente sur les lieux au Cameroun avec les jeunes universitaires pour aller voir qu'est-ce que je veux faire. Parce qu'ils se trouvent très intéressés à ce projet-là, parce qu'ils savent que c'est un projet qui doit fonctionner pour l'avenir et pour le présent. Parce que tout un chacun a besoin de la nature. Quand nous sommes en Afrique, nous n'avons pas l'impact, nous ne connaissons même pas ce que c'est que la nature. On se dit, ah, je vis en campagne, je suis pauvre, je suis malheureux, je n'ai rien, c'est parce que les malheureux qui vivent en campagne. Au contraire, c'est faux. Ils ont une vie que vous et moi, nous n'avons pas. Ils mangent naturel, ils vivent d'une façon naturelle, ils peuvent vivre pendant plus que 100 ans par rapport à vous et moi. Nous sommes exposés à la pollution, nous sommes exposés aux maladies. Parce que tout ce que nous mangeons doit avoir des produits, doit avoir de la chimie. Même l'arbre qu'on va construire quelque chose est déjà protégé avec des produits chimiques. Alors que là-bas, ils vivent d'une façon naturelle. Ils ont la nature face à eux et ils ont ça aux portées des doigts. C'est de là qu'est née mon idée de l'écotourisme. Parce que je trouve que c'est un projet dont nous avons tous besoin. Et j'ai besoin des gens assez motivés qui peuvent aussi, comme moi, réagir de la même façon, essayer aussi de faire dans l'écotourisme manière, façon de changer un peu, comme d'autres visitent les animaux. Nous, on n'en a même plus. Nos animaux se trouvent dans les parcs européens. Donc, nous, on n'a même plus d'animaux et d'autres se trouvent dans les WC. Donc, c'est mieux maintenant pour nous de trouver une autre forme du tourisme pour essayer de remonter la pente et de rattraper ceux qui sont déjà plus loin que nous. D'accord. Ok, là on peut bien comprendre que justement le Cameroun, notre pays, ne fait pas partie des destinations touristiques dans le monde. Et je peux vérifier parce que moins d'un million de touristes visitent le Cameroun par an, si je ne me trompe pas. Je suis dans votre logique. Mais sauf que dans vos propos, j'ai recueilli quelque chose qui m'a un petit peu. Vous dites que les Européens veulent se développer sans nous, parce que nous sommes les destructeurs. Oui. Et pourtant, de l'autre côté, chez nous, sous les tropiques, c'est plutôt le sens inverse. On se plaint que les Européens viennent détruire le chez nous. Enfin, ils vont prendre nos bois, par exemple, pour exploiter à l'étranger. J'aimerais savoir qui est à l'origine de la destruction du tourisme au Cameroun, si je prends sur le plan des arbres, de nos forêts qui sont encore bien vierges. Qui est donc le principal destructeur? Et une autre question un peu sous-jacente, je voudrais savoir si votre lutte
ça dit quoi, la promotion de l'écotourisme à un trait et en relation avec, comme mon frère, mon confrère du mentionne au nom, là, c'est bien indiqué ici, si c'est un trait avec le programme gouvernemental des Nations Unies européennes, ils ont porté un sujet qu'on appelait le réchauffement climatique. Oui. Est-ce que c'est un rapport? Oui, c'est un rapport. C'est un rapport. Parce que aujourd'hui, nous avons déjà un climat qui est complètement désastreux chez nous. Il pleut plus qu'il n'en pleuvait avant. Il fait très chaud plus qu'il faisait chaud en avance. Mais pourquoi? Parce que nous ne savons pas orienter les choses. Ça part d'une mauvaise orientation des choses. Ça part de la base. Parce que vous êtes, vous, nos progénitures, vous êtes ici en Europe, vous avez appris beaucoup de choses. Mais quand vous rentrez au pays, quand vous trouvez un travail, si vous avez fait dans l'écologique, on va vous mettre peut-être dans l'économie. Et ça nous met à reculons. Parce que vous allez faire un travail que vous n'avez pas appris. Et vous allez le faire dans le lot. Et ça ne sera pas comme celui qui a appris à faire son travail. C'est ça le comble. Alors, si j'ai dit, je répète encore, je dois encore bien éclairer ce que j'ai dit. Je ne veux pas que ça soit recueilli d'une mauvaise manière. Je dis et je répète. L'Européen a besoin de l'Afrique. Parce qu'il a vu ce que l'Afrique a. Il connaît mieux la valeur de notre Afrique à nous, là. Mieux que nous. Et il sait qu'est-ce qu'il peut faire là-bas. Le bois, nous on avait le bois, on passait, on faisait, les gens, les vieux prenaient du temps pour couper un arbre pendant 3-4 jours, une semaine. Mais le blanc, lui, il est venu avec l'idée, moi j'amène ça chez moi. Eux, ils ne coupent pas pour laisser pourrir. Ils coupent pour en faire mieux. Ce n'est pas pour autant dire qu'ils n'ont pas de bois chez eux, ils en ont. Vous-même, vous voyez ici en Allemagne. Ils ont du bois, ils font la transformation, ils ont toute une équipe de forestiers qui contrôlent ces arbres comme s'ils contrôlaient des enfants. Alors que nous avons, nous, un bureau au Cameroun qui s'appelle la direction des forêts. Ça ne délivre que des licences pour aller couper et après marcher pour l'exploitation forestière. Parce que j'ai mal parlé, je ne parle mal de personne. Mais je dis que c'est un mauvais système parce que dans les jours à venir, nos enfants ne connaîtront plus le bibinga. Puisqu'il n'est plus replanté, il n'y a plus rien. Il est parti, c'est comme une personne qui meurt. La personne est partie, elle est partie. Donc ce qui est coupé est déjà coupé. Mais ma lutte et mon cri d'alarme, c'est pardon, essayons de sauver ce qui reste. Si nous avons encore la force. Pour essayer de créer un petit tourisme écologique sur le reste, parce que la grande forêt équatoriale, elle est belle, elle est grande. Est-ce que nous ne pouvons pas créer quelque chose dans cette forêt équatoriale pour refaire vivre les choses? Moi, je connais les chutes des Cam. J'en ai été tout le temps. J'avais aimé. C'était beau, c'était comme si c'était mort, c'est encore là. Parce que ça a été bien gardé. Le nord, c'était beau, on allait visiter les éléphants, on allait ici et là. Mais aujourd'hui, l'éléphant même, personne ne s'occupe de lui. Soit il est dans la casserole, soit il se retrouve mort et pourri. Il n'y a rien qui s'occupe de la nature. Chacun s'occupe de soi. Le tourisme aujourd'hui, comme le ministère de je ne vais pas parler des choses qui ne sont pas dans le programme. Bon, bref, c'est autant de choses. Parce que quand on dit social, on dit tourisme, ce sont les ministères du couloir, pour moi. Ce sont des ministères du couloir parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont vraiment pas à faire. Madame, alors pour vous relancer une fois de plus sur le sujet... L'écotourisme étant basé sur la nature, oui. Éduqué sur l'environnement et pour un environnement durable. Mm-hmm. Vous dites tantôt qu'il faut préserver cette nature du côté du Cameroun. Oui. Cela passe par la lutte contre la déforestation, le braconnage et tout le consort. Mais est-ce que cela n'a pas aussi un impact limitatif? Quand on voit
la situation de développement, ou alors la situation du Cameroun, qui est un pays pas si développé comme les autres, où on peut promouvoir cette culture. Est-ce qu'au niveau du Cameroun, il ne faudrait pas une autre politique? Il ne faudrait pas utiliser l'écotourisme comme un développement, comme un atout du développement, bien que cela a cet impact sur l'environnement? Est-ce que vous avez des solutions qui peuvent être élucidées ici, dans le sens d'utiliser cet écotourisme, pas comme, comme un plan de développement local? Mais oui, normalement, l'écotourisme, c'est un plan du développement local. Parce que nous avons besoin de ces gens qui vivent dans ces villages-là, justement, qui sont sur place et qui ne font rien, qui trouveront de l'emploi dans ce genre de dans cet écotourisme. On a des universités qui doivent faire des recherches. On a tout type de personnages qui doivent venir parce qu'ils ont envie de se ressourcer et de faire leurs recherches, soit sur la terre, soit au haut des arbres, soit dans les racines des arbres, soit dans les troncs d'arbres, parce que nous avons beaucoup de choses qui sont vraiment d'utiles au niveau mondial. Au niveau mondial, même ces orchidées qu'on vend ici, quand vous entrez dans nos forêts équatoriales, vous trouvez ces orchidées qui sont encore plus meilleures et qui fleurissent pendant des mois, qui restent, les fleurs restent pendant 3, 4, 5, 6 mois en forêt, et c'est tellement beau à voir. C'est tellement beau à voir. Et allant dans le même sens, existe-t-il des micro-projets pouvant contribuer au développement des écosystèmes au niveau du Cameroun? Au niveau du Cameroun, je suis avec Vidou, parce que Vidou, j'ai lu Vidou, je l'ai écouté et je trouve que Vidou, c'est pour moi le bon financement que je peux avoir pour mon écotourisme. Justement, Madame Renaud, c'est une très bonne occasion pour vous de pouvoir profiter de cette plateforme de financement, parce que le second invité que nous allons accueillir sur ce plateau, ce sera effectivement le représentant de la plateforme Vidou, que je vais comme ça introduire ce plateau d'un instant. Pendant ce temps, aux chers téléspectateurs qui nous regardent, pour vos questions, vous pouvez juste appeler le numéro qui se trouve en bas de votre écran, ou alors envoyer vos SMS, la régie s'occupera du reste. Et si vous me permettez, en attendant le responsable de la filière Vidou, puisque nous avons déjà attaqué le point, je dirais, économie, j'aimerais savoir, Madame Antoinette. Oui, je vous écoute. Quel peut être l'impact économique, sur le projet des écotourismes? Puisque les chiffres sont réels, l'activité touristique au Cameroun est dégradante. Par exemple, en 2005, nous étions à 2,5% du PIB. Mm-hmm. Et en 2008, on a chuté à 1,5%. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est encore plus pire. Quelles sont vos armes? Quel peut être l'impact? Je pense que, pour moi, l'économie étant ce qu'il est, ce que nous pouvons faire, c'est d'avoir une sonnette d'alarme pour au niveau des investisseurs et de Vidou, tel que vous me l'avez dit tout à l'heure que le représentant Vidou va venir. C'est pour moi une aubaine de faire sa connaissance et de savoir comment est-ce que je peux élaborer mon projet pour arriver à bout et essayer de voir comment nous pouvons changer les choses au niveau d'ici, parce que nous avons toujours honte quand nous arrivons dans notre grande messe qui se présente tous les ans ici à Berlin. Le Cameroun, quand il arrive, c'est vraiment, je me demande si c'était le Burkina Faso ne se présente pas comme ça. C'est comme si nous, on était les derniers, comme même si le tourisme est mort et enterré, il y a quand même des monuments anciens qui restent et qui demeurent pour le tourisme camerounais, qu'ils peuvent nous envoyer pour représenter notre beau et charmant pays.
Mais s'il n'y a même pas ça, ça veut dire que vraiment, même les cadavres, on n'en trouve plus. Il est mort. Justement, en parlant de la grande messe ici à Bélin, oui. Je tiens et fais un clin d'œil déjà au Kenako Africa Festival. Oui. Vous avez déjà participé? Oui. C'était super? Oui, super. Okay, Kenako, c'est, je peux dire aujourd'hui, il tient le drapeau du Cameroun en Allemagne. Merci. Oui. Et là, on accueille donc le responsable de Bilou, monsieur le Cameroun. Bonsoir. Bien qu'il y ait distanciation sociale. Merci pour l'invitation. Bonsoir, monsieur Marc Dantekandoum. Vous êtes PDG d'AfroBridge et sur ce plateau, vous êtes le représentant de la plateforme de financement Bidou. Le thème qui nous reçoit ce soir, qui nous intéresse ce soir, c'est l'écotourisme et surtout le financement Bidou par rapport au micro-projet concernant le Cameroun et certains États d'Afrique. Vous êtes comme ça, nous sommes comme ça sur ce plateau également avec Madame Olof Marie-Antoinette, qui est la fondatrice de USUHD, Universal Human Development, basée au Cameroun depuis 1992. Nous avons comme ça essayé de faire un début sur l'écotourisme du côté du Cameroun. Et il en ressort que les difficultés que nous rencontrons au niveau du Cameroun pour pouvoir enrayer, je dirais comme ça, l'écotourisme, pouvoir faciliter l'écotourisme au niveau de la population locale. Madame Ordoff nous a comme ça fait un brevet concernant les difficultés qu'elle rencontre à pouvoir implémenter ces micro-projets. Est-ce que vous pourriez lui expliquer comment faire les possibilités qu'il y a pour pouvoir bénéficier du financement à ce qui concerne votre projet vidéo? Ok, merci d'abord pour la question. Je tiens d'abord aussi à remercier ce genre de projet parce qu'il entre encore dans l'écologie. C'est-à-dire, c'est un projet, comme on dit, durable et aussi protection de l'environnement. Ce genre de projet, ce genre de concept qu'il faut aujourd'hui pour une Afrique de demain. Pourquoi? Parce que c'est un atout que nous voyons seulement dans les pays développés où les gens combattent tous les jours pour, c'est-à-dire contre le déboisement. Mais chez nous, moi je tiens d'abord à lui tirer un coup de chapeau pour dire enfin, il y a quelqu'un qui a pensé à notre environnement. Et ça passe exactement avec ce genre de projet que Bidou préfinance. C'est-à-dire, elle a une possibilité de pouvoir aller sur la page de Bidou, s'enregistrer, même si elle vit ici en Allemagne, elle peut avoir un partenaire qui est celui qui va recevoir le concept. Ça fait les deux sens. C'est-à-dire, mais l'entrepreneur normalement doit être basé sur le Cameroun. Et comme son projet est basé sur le Cameroun, ça veut dire que l'entreprise qui est au Cameroun peut recevoir aussi le projet, pour recevoir aussi, c'est-à-dire le financement. Il suffit qu'elle passe sur la plateforme, elle s'inscrit, elle met son petit plan d'action. Je ne sais pas où la structure se situe. Pourquoi? Parce que c'est où madame? Nous sommes à Yaoundé, à Santa Barbara. Santa Barbara, mais l'écotourisme, le site? Ça se trouve à 28 km de la ville d'Ebolova. 28 km, c'est-à-dire encore sur la route de l'Olodorf. Dans la pleine forêt équatoriale. Dans la pleine forêt équatoriale. Vous savez, la GIZ a le projet partout sur le Cameroun. Et Bidou, comme on dit, c'est l'un des fonds de financement. Bon, mais nous avons appelé cela micro-projet. Elle a la possibilité d'avoir, c'est-à-dire parce que le micro-projet de 500 jusqu'à 5000 euros, fois 3. C'est-à-dire, elle peut faire d'abord un projet concept, je ne sais pas, où l'entend fait son concept jusqu'à 5000 euros. Ça évolue, même si un an, c'est-à-dire qu'elle peut prendre, même, elle peut prendre une année et diviser en 3. Le premier 4 mois, elle réalise un concept d'abord sur 5000 euros, et puis quand elle a fini, elle revient faire un deuxième, c'est-à-dire elle entre maintenant dans le deuxième projet, elle réalise, elle revient, et elle réalise ses vœux. C'est-à-dire, c'est valable 3 fois. C'est valable 3 fois. Et elle va sur le site, elle met son plan de financement en ligne, c'est-à-dire elle peut envoyer même à sa représentante au Cameroun, qui entre sur le site, c'est selon, comme elle a dit, c'était, comment on appelait encore son organisation? Human Development.
Le représentant là-bas entre sur le site, prend le projet, met en ligne. Et elle aussi, c'est elle le contact. Elle est comme seule la personne ici qui va jouer le rôle moteur parce que c'est à travers elle que le projet serait financé. Ça veut dire que si elle a un projet jusqu'à 5, le premier projet jusqu'à 5000 euros, elle va apporter 1250 euros. Celui qui au Cameroun apportera 1250 euros, Didou va l'aider avec 2500 euros. Et je pense vraiment que c'est un concept qui passe même dans l'idée même de la GIZ. Et en coopération avec la BM7, qui est, c'est-à-dire Bundesministerium für Zusammenarbeit, c'est-à-dire le ministère de coopération allemand. Voilà un bon projet qui peut absolument atteindre, c'est-à-dire son objectif. Donc, pour moi, je suis prêt à jouer, c'est-à-dire, comment on dit aussi, au coaching. Le coaching au niveau de l'Euro, même sur la plateforme, quoi. Pour l'aider, pour voir, parce que le Cameroun en a besoin de ce genre de projets. Ce sont des projets de développement. Oui. C'est-à-dire aller sur la nature, ne pas détruire le bois, hein, aller conserver la nature et faire venir du tourisme. C'est ce genre de concept que le pays a besoin. Il est vrai, comme l'a dit, j'ai suivi le début, c'est-à-dire le ministère du tourisme n'est pas extrêmement actif, on ne voit pas les actions qui font sur le terrain. Mais si c'est une de nos sœurs de la diaspora,